Le jour 1 est un échec. Échec. Bonjour à tous. Je vais me lancer dans un challenge. Une semaine sans sucre. Ah ! Vous me connaissez, hein ? Vous me connaissez, vous savez que ça va être très très difficile. J'ai plus de batterie. Ma première réaction du matin, et vraiment ça c'est tout le temps, c'est de boire de l'eau. L'hydratation c'est la chose la plus importante, vraiment. On va aller se préparer à manger, et pendant que je prépare à manger, je vous expliquerai pourquoi je fais ce challenge. J'ai préparé rapidement parce que je vais travailler d'ici quelques minutes. Avocat œuf. Déjà, ça fait longtemps que je pense à diminuer fortement ma consommation de sucre parce que vous savez, je suis accro au sucre. J'ai envie de voir les effets que ça peut avoir sur mon corps. Pas forcément perdre du poids, mais plus en mode énergie. Et ce qui va être difficile, c'est par exemple, je vais travailler. Mais je travaille de 11h à 17h et j'ai pas de lunch, je mange pas en fait. Et donc au travail, à chaque fois, pour me tenir un peu et pour combler ma faim, je prenais un soda, genre un coca, un truc où il y a du sucre, pour me tenir quoi. Vraiment c'est un challenge de fou pour moi. J'en ai parlé à ma coloc Emma, elle m'a dit mais Myriam, c'est pas bien, c'est un challenge, je vais pas le faire sur le long terme, je vais bien sûr réintégrer les plaisirs de la vie. Parce que je me rends compte vraiment que tous mes repas, mais tout ça, il y a du sucre. Enfin bref, je vais pas trop parler parce que cette vidéo va durer très longtemps sinon. Alors vous voyez, mon travail c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? Bah je filme. Tu fais une vidéo YouTube encore? Oui. Dis, on a un présente-toi et parle-nous de ton travail. Non, j'en ai rien à branler. Oh, Emmanuel. Oh, arrête. Là, t'as le métro? Ah bah c'est à côté. Bah c'est parfait. Maman. J'étais en retard, mais je me suis dit, je vais partir, me manger après. Hey, hey, tu me racontes après un peu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour pas être visible sur YouTube? Mais pourquoi vous voulez pas vous montrer au monde? Bon les gars, il faut que je vous dise. Déjà, alors j'ai pas filmé de la journée, juste pour vous retracer le truc. J'ai pris mon petit déjeuner. Non mais vraiment, il va rester avec son ananas en plus. Ce jour 1 est un échec. Échec. C'est pour ça aussi que je filme, je vais vous montrer la réalité du terrain, c'est tout. Le matin, bah j'étais plein de belles bonnes intentions. Voilà. Ensuite, je suis partie travailler, mais j'ai pas mangé parce que vas-y, on se fait exploiter. Par contre, après, je suis sortie, j'ai été boire une bière avec un collègue. Donc déjà, la bière, c'est pas bien. Et après, si je suis partie manger au resto avec une copine, Lulu. Mais est-ce que les dumplings, c'est... En même temps, il y a mes collègues qui font des bananes à bread, en fait. T'as je parlé de ton histoire de régime sans sucre? Oui, mais ce matin. J'ai dit, ouais, sans sucre, je veux voir ce que ça fait. Bah voilà, l'échec. Après, est-ce que ça compte? C'est fait maison. Je crois qu'on va revoir le challenge. Ma question est la suivante. Est-ce que si on mange des gâteaux faits maison, ça compte? Mais bon, bon. On sent bien le goût de banane. Il est bien moelleux. Il a le goût de chocolat. Moi, c'est tout ce que j'aime. Max. Tous mes colocs, ça y est, vous avez tout vu. C'est bon. J'avoue, j'ai craqué. Une dégustation banane. Bah oui, j'ai craqué. Tu fumes tes colocs sans prévenir. Bah c'est vous, passez dans le champ. Coupé. Hello. Pff, je suis fatiguée. On avait réservé une auberge en Australie là. Bah ouais, je t'ai pas dit. Et du coup, ils ont annulé notre réservation. Ah ouais, si longtemps. Mais oui, je te jure. Alors, bowl cake, banane, œuf. Vu que Mimo m'a dit ce matin, vite, 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 il faut trouver un autre logement. Alors, on est en août, hein, les gars, on part en décembre. Mimo, c'est une stressée de la vie. Mimo, vous connaissez pas son vrai visage, mais en Australie, vous allez connaître son vrai visage. Hein. Ça me saoule. On avait trouvé, c'était parfait. Qu'est-ce que c'est bon, ça là. C'est bon. Prête pour aller débarrasser des plats. C'est un peu le moment où je dois courir pour aller travailler. Parce qu'il faut savoir un truc chez moi, c'est pas bien, ma mère va me disputer. Ma mère elle m'a toujours appris, faut que tu sois à l'heure, soit 15 minutes à l'avance dans ton lieu de rendez-vous, toujours. Et moi mon défaut, c'est que quand il y a un travail qui me plaît pas ou qui me plaît plus, j'arrive pas à être à l'heure, c'est terrible, j'arrive pas. Là je vais rejoindre Soleil, elle arrive, elle est un petit peu late aussi. Et en gros mon taf il est au Vieux-Port, c'est un quartier de Montréal. Donc là on commence à arriver au Vieux-Port en fait. On a fini notre shift, genre là vous savez pas mais en fait ça y est c'était mon dernier shift. C'est fini donc je démissionne, je peux plus être traité comme ça, je peux plus. Non. Ta barman, ça t'a pas. Ah moi je me suis embrouillée avec une collègue et tout. Non mais là je suis partie en vrille genre. Mais moi en fait on parle pas mal, vous avez pas compris moi.
moins. Quoi? À partir du moment où ça a commencé à me prendre la tête, faut que ça cesse. Donc j'ai décidé que c'était aujourd'hui. Et là, on est en train de chercher un bon resto où tu peux apporter ton vin. Emmener Solène dans mon endroit préféré. Donc après, quand je finis le travail, genre je viens me poser là et je réfléchis à ma vie. Là, on va manger à Mont-Royal. Et ici, c'est un quartier où il y a beaucoup de Français. On appelle ça le plateau. Et moi, j'adore. C'est le quartier où j'ai commencé mon aventure. Donc, it's my heart. Alors moi, ma vie entière, c'est les pâtes aux truffes. J'ai pris des petites boulettes très la belle et le clochard. Ouais, c'est grave ça. Ouais, je te jure, il est où mon clochard là? Et c'est très bon. C'est délicieux. Et là, après ne pas avoir mangé de la journée, je suis en plein. Regardez, on fait comme ça en bas. Vas-y. Hier, on enroule. Ouh, regardez cette petite bouchée. Oh là là. La sauce est délicieuse. Ah, je rentre de soirée, on est parti, vous savez, au resto avec Soso, après on est parti boire de petits cocktails. Je rentre, mon lit il est comme ça en fait. J'avais oublié en fait que j'avais tout mis sur le lit pour pouvoir plier quand je rentrais, mais je pensais pas rentrer tard et il est 2h du matin et j'ai pas envie là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes affaires, je vais mettre sur un côté, je vais être dans le déni. Jour 3 les amis, mais là je me réveille, je suis obligée d'utiliser cet objet. Vous vous massez avec. J'ai mal au corps. Bref, moi j'ai plus de batterie. Guys, je vais à la piscine. Je vais aller nager. Et voilà, je vous emmène avec moi. Je viens de découvrir un parc là. Et ce parc est incroyable. Ne meurs pas Myriam. Ne meurs pas. Ça s'appelle le parc Jarry. Il est à 15 minutes de la maison. Et regardez. Mais... Ah, j'en peux plus. J'en peux plus de cette vie. Elle est trop belle. Moi de toute façon j'aime la nature. Hein. Voilà, moi je suis très très dans la nature. Hein. Ce truc c'est ma vie. Là il me faut un massage là. Là quelqu'un faut qu'il me masse parce que là, j'ai trop mal. La soupe. L'avocat il est en train de mourir. Faut que je le mange. Oui. La soupe. Ça donne trop envie. L'avocat on est d'accord c'est la meilleure chose qui soit dans le monde. Je mange dans un truc comme ça parce qu'il n'y a plus de bol, plus rien. Et c'est si bon. Ça a le goût de citronnelle un peu et un peu de piquant, mais ça va, c'est pas trop. Mmh. Le moment tant attendu de ranger la chambre. Quoi de mieux que de le faire en musique? Voilà les amis, ça m'a pris 5 minutes. Toujours avoir le sourire, toujours. Moi, je fais œufs durs pour un peu plus de protéines. Est-ce que, marche tradition, Emma, t'as déjà bu du pain sans gluten? Bah, c'est où que tu vas faire tes courses? Ah, tu vas que là faire tes courses? Ok. Ok. Ah non, mais attendez, je suis choc barre. Attendez, Emma fait ses œufs au micro-ondes. Tu fais tes œufs au micro-ondes, en fait, c'est comme si tu faisais des œufs au plat. Ouais. Mais tu mets pas de matière grasse et ça prend 1 minute 30 à faire. Arrête. Demain je fais le test. Emma me dit coupe bien tes œufs pour la présentation de l'assiette. Oh là là, en fait il faut vraiment que je cuisine plus souvent. En fait ça sent bon. Alors. Mmh. Non c'est bon. Franchement c'est bon. Je suis désolée, je suis une cuistot en fait. Franchement manger c'est la vie, on est d'accord. D'accord. Là on va se regarder une petite série qui s'appelle Les Cœurs Brisés. Non, t'as oublié la partie la plus importante, le guide astrologique. Des cœurs brisés. Voilà. Oui, et en fait, bah, moi j'avoue, j'aime bien l'astro et tout. Et comme par hasard dans la série, un mec tous les jours. Différent. Beau gosse en plus. Mais ça n'existe pas en fait. Ne partez pas sans moi.
En plus, il y en a plein, ils disent que je ressemble à Céline Dion. Arrêtez avec ça. Et Emma, elle est en train de dire oui, non. Non, mais attends, j'avais. Moi, j'ai Radine Nakache, je suis ok, tu vois. Après, Céline Dion, j'aime bien aussi, mais je comprends pas le. Je comprends pas. Mon beurre d'amande que j'adore. Aujourd'hui, ça va être journée chill et à la fois, ce soir, il y a quelque chose de trop cool. Non, non. Là, je vais aller au sport, les amis. Petite séance pour se réveiller. J'adore personnellement faire mes séances le matin, comme ça, au moins, je sais que c'est fait. Après, j'ai des trucs à acheter, donc je vais vous emmener avec moi acheter mes trucs aussi. J'ai fini le sport, j'ai fait genre 1h15 de sport et j'ai fait un exercice qui m'a fait trop du bien à l'épaule. Bangers. Maintenant je vais aller au Ardennes, on m'a conseillé ce magasin pour aller acheter des piercings faux de nombril. Oh, c'est trop mignon ça. Là, j'ai tapé la vitre. Je vais prendre celui-là. J'aime bien ce haut. Attends, moi je t'avais acheté un piercing, je vais me retrouver à acheter des vêtements. On en pense quoi hein? Donc là, on va réaliser le tuto œuf au micro-ondes. Et je pense que je vais me faire une salade à côté. Bah déjà, enfin, casser des œufs, ça va, je pense que c'est pas... Non, ça, c'est, mais pas... c'est vraiment genre le truc de gros flemmard, ce que je suis en train de montrer. Moi, j'adore, moi, si ça m'évite de faire la vaisselle, tu sais, je prends tout. Hein. Tuto, parce que sinon, tu peux aussi ne pas les casser comme ça. Ouais. Mais sinon, ça risque d'exploser dans le micro-ondes. Alors, on met 45 secondes pour la première... 45 secondes, voilà. Première 45 secondes, donc tu vois... Ah, ça fait une omelette. Il est pas mal, mais il lui manque un peu... Ok, il faut arrêter le sortir ou juste l'arrêter? Non, juste l'arrêter et après tu remets genre 45 secondes. Petite salade avec échalotes, concombre, tomates. Un avocat de toast avec l'œuf. Et Emma, elle s'est fait une salade également. Oh non, pas de guêpe. Voilà, avec du tofu, elle, dedans. T'aimes pas les échalotes? Si, j'ai la peine de les couper. En fait, on est deux flemmards, quoi. On s'est bien trouvé. Ça fait un douiche. Technique de fou, les gars. Hein. À refaire chez vous. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez fait. Les amis, on est au festival de Montgolfier. Regardez, c'est ouf. Outfit of the day. Ah, comment je suis trop contente. C'est trop beau, les gars. Franchement, c'est ouf. Une expérience à vivre une fois à Montréal, si vous venez à Montréal. Petit gyros VG, voilà. Évidemment, il n'y a pas grand chose dedans. Ça va être tomates, concombres, frites. Il n'y a pas de protéines. Le tzatziki est très bon. Qu'est-ce qu'il fait, Jules? Ah, ça me dégoûte. Et c'est sur ces quelques images que je vous quitte. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. C'est ce à quoi ressemble ma vie à Montréal. C'est rempli de tranquillité, de belles choses, d'amusement, de moments entre amis, des moments seuls. Et bah, y a des moments ça va, des moments un peu moins, on va pas se mentir. Mais j'essaie de toujours vous partager que de la bonne vibe et de la positivité. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous, je fais de très très gros bisous. Cœur.